Dans ce pays, il n'y a qu'une personne qui prend de telles décisions, Poutine. C'est donc Poutine en personne qui prendra la décision. Les violations ont été totales. Elles ont eu lieu pendant toute la procédure. Toutes les bases d'un procès ont été totalement violées. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre que le gouvernement et Poutine lui-même ne savent pas à quoi doit ressembler le verdict. C'est pour ça qu'ils l'ont repoussé de 9 jours pour avoir le temps d'y réfléchir. Le monde entier sait que Poutine est un dirigeant impitoyable, mais bien sûr, tout le monde a été stupéfait quand il a franchi la ligne rouge dans cette situation. Et les réactions internationales des gens, Madonna, Sting, les Red Hot Chili Peppers, sont parfaitement compréhensibles.